suite à Recata Vanstaff et Demore chez Télécom, de faire exprimer notre souhait pour nous montrer nos solidarités envers nos compagnies Mauritius Télécom. Donc, si j'ai voulu nous faire joindre, c'est 24 qui se sont tous blessés. Nous ne sommes pas venus là pour nous défendre la défense. Nous venons là pour protéger nos compagnies et nous travaillons bien dur pour nous accompagner. J'ai voulu nous dire Mauritius Télécom. On a une contribution énorme au niveau social, au niveau technologie, dans nos pays innovés, comment vous pouvez trouver vous-même. Et si j'ai voulu vous trouver qu'il y a à la tête un CEO qui peut faire son travail pour Manistop, Manistop content lui. Là, il y a une fin à prendre, qu'il y a une politicien qui dit que Mauritius Télécom peut faire une vidéo. Et qui, quand vous voulez ça, l'information. Nous, en tant que staff Mauritius Télécom, nous ne trouvons jamais. Nous ne pouvons pas faire des armées, mais nous pouvons prendre ça avec un politicien. Le staff Mauritius Télécom n'a pas fait politique. Nous, citoyens, nous nous connaissons sans nous pas voter. Mais ce que nous allons apprendre, c'est que certainement, le politicien peut servir les deux Mauritius Télécom pour être fait politique. Nous ne prenons rien contre les politiciens, nous là pour travailler. Et ce qui nous capable de dire, qu'ils ont dit, c'est une fierté. Quand on trouve ça rassemblement aujourd'hui, nous faisons top management, middle management, lower management, un staff qui va bien présent. Et nous pouvons y avoir grain qui m'a donné sur ce travail de ma vie. Elles affaires qui appellent compagnie et qu'elles affaires qui appellent politique. Nous allons employer dans une compagnie, nous avons assez fait un empty bashing. Tout gouvernement vient se faire empty bashing. Empty, c'est une compagnie forte, je ne suis pas d'accord avec ça. Le journaliste, dans ce pays-là, je besoin faire un travail responsable. Journal, ce n'est pas une autorité d'un pays, c'est un board of directors d'une compagnie qui est une autorité. Si ce board of directors qui comprend un étranger, quand on a 40% actionnaire, France Télécom, enfin aujourd'hui c'est Orange SA, nous devons comprendre qu'il nous peut faire un dommage extraordinaire à l'entreprise et à ce ban travailleur qui est un ban stakeholder principal. Combien de bons projets finalement? Et qui fait ça pas faire un clip là pour un bon projet? Qui fait ça pas venir vers nous, ban syndicalisme, dire nous, mais autant bon qu'ils sont venus pour travailler, qui fait ça pas venir dire nous l'opinion? L'autre effet qui est très important, nous pouvons critiquer un CEO, ou même nous pouvons critiquer un conseiller politique. Ou même nous pouvons critiquer un politicien, ou même nous pouvons critiquer un être humain. Nous devons faire une distinction claire dans la vie privée un Djimoun qui est un CEO, un Djimoun qui est un conseiller privé, un Djimoun qui est un politicien. Attaque Djimoun là dans sa peau qu'il y mette. Laisse la police faire ce travail, laisse la cour faire ce travail. Le CEO il vient dire, ben ok, c'est la preuve, nous donner tout ce qu'il y a pour faire l'enquête. Très autre enquête, pas faire un trial by the press en moi-même. Je ne sais pas comment prendre place la cour, judiciaire dans ce travail, l'exécutif dans ce travail et que la police est dans ce travail. Qui nous comprend ça bien? Nous, ban travailleur, moi je dis front, nous finissons bien satisfaits, nous gagnons des meilleurs signaux. Content, pas content, dit comme ça. Qui vient faire, qui n'est pas faire, ça c'est nous responsables. Allez faire politique ailleurs, faire une politique propre, pas faire politique le lieu de travailler.